Là, nous sommes dans l'esclavage mental. Merci, bon Dieu, pour ce solide là, ça. Cette papier d'existe. Cette quest théorie de la confrontation de couleur de cette forme magnificente. Bienvenue ici, le voisin de Bois, c'est à nous, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est une audience formidable. Un très honoré pour être invité à Detroit et à jouer des célébrations de la libération des Africains. Nous n'avons pas que de travail à faire. Quand nous ne pouvons pas libérer nous, à part nous-mêmes. En cas quoi que nous puissions réussir. Mais ça, c'est la guerre le plus long. Et c'est ça qui provoquait tout combat à nous. La guerre le plus long. Une guerre qui a duré plus de 500 années. On sait un psychologue général et un psychologue d'enfant. On n'a pas jamais vraiment tenu l'intention d'être psychologue, mais. La force de l'univers n'y a manqué qu'à guider et qu'à pousser autant qu'à crier à leur comme mission cosmique. On n'a parlé de rien qui racisme et la suprématie blanche. Un jour, maman me dit, Francis, on ne peut pas parler de pont de butin. Et on dit la matière, mais non, ça c'est mission cosmique en moi. Programme là que moi j'ai dedans. Toutes ces professeurs là étaient blancs. Ils tenaient trois psychologues noirs qu'à apprendre. Nous étions qu'à entraîner sur la théorie des psychoanalytiques de Freud. Ils tenaient absolument à rien à d'information là. Qui tenaient à voir avec la santé mentale des Africains. Et de mon troisième génération de physiciens. Papa, moi était physicien en Chicago et mort en 1909. Et parents m'ont été à point de nous pour qu'on recevra en éducation, pas pour échapper à la communauté, mais pour trouver connaissance et compréhension pour la communauté. Arrêtez d'applaudir. Donc, nous sommes dans un programme de formation là, ça, et nous tenons patients qui sont blancs et patients qui sont noirs. Toutes ces patients nègres là, tenir un butin de racisme à dans l'histoire. Alors, même si nous pas qu'à apprendre des rien qui était spécifiquement pour aider les nègres, faut monter apprendre la totale sur la théorie des psychoanalytiques, mais à côté, faut monter apprendre ça qui était que aider nous. Actuellement, je dis nous, nèg pa te pe dure a dan la psikoterapi. Paske yo pa teni l'intelekt. Intégration te ve di, on sel nègre sa dan klas. Mwen te ka pense ke mwen te yon marxiste. Men an poursuit an mwen, de aider les patients noirs et de nous le besoin de comprendre le racisme. Racisme, parce que c'est ça qui est en histoire. Et n'est pas autant que vous qui a le livre, le papier d'Isis. Sous-titré La clé des couleurs. Actuellement, ça vient de un black man qui est un patient. Comme il partait dans le patient à voir, on dit, va moi ciser et parler plus loin vers un homme là, ça, et voici un peu comprendre. Kaika dit vraiment, et il dit, doc, si nous pouvons juste trouver la clé pour les couleurs,
Donc ça c'est sous titre à livre moi. Et moi t'es dans un Black Power Committee meeting en Washington DC. Après meeting là, moun ay a apportement à un dot moun. Si zé a tel a ka manje wè pa africain. Attends un black man de l'autre côté à cham là. Dit la racisme c'est un système. En vez d'autres répéter après moi. Racisme, c'est un système. Et intéressamment, semaine passée, la procureure générale Eric Holder, sous quoi songe plusieurs années qui passaient, elle a été fait en proclamation profonde comme premier procureur général nègre. Il dit, est-ce nous c'est une nation de lâches? Incapable de parler de la racisme, combien d'entre eux autres garçons j'ai dit ça? Alors ça t'est courageux et ça t'est profonde. C'est systématique, c'est au-delà des remarques ignorants. De la racisme, il dit que c'est systématique et encore espérer qu'il trouve ça de moins. En tout cas, dit que la racisme, c'est problème santé mentale numéro 1. En papier là, ça on dit la déni de la racisme. C'est le number one problème santé mentale. Yo réduit nous à en place là où les jeunes qui dit pour lui ou qui agit comme blanc. Ça c'est pour montrer combien de temps que nous tournons à l'envers. Mais on dit moi pourquoi moun si planète là ça. Développer un système particulier de racisme suprématie blanche. Pourquoi? Tout pas pégé là ou non, ou pégé fait mon pé. Ça sont questions qu'a allumé ordinateur à cerveau là. C'est demander des causes et effets. Premièrement, il dit que n'est-ce génétiquement inférieur. Combien de monde qui j'attend ça? Noir aussi en dominance génétique. Blanc c'est un récessif génétique. Y'a qui pensait de président Obama? Maman ici en blanche. Papa ici en nègre. N'est pas le temps de mettre noir plus blanc ou que tout veut couleur violet. Moun ka classifié yo comme blanc moins que 1 sur 10 de tout moun si planète là. Ou vrai si ou li mette le ya ou ke pense que majorité de moun si planète là blanc. Mais pep noue marron, rouge et jaune, c'est 9 sur 10, majorité globale. Columbus commencé, moun blanc ka sorti de l'Europe, ka fait la tour de la planète. Et yo crié ça des voyages à la découverte. Ça yo découvert c'est que toute la yote rivé ite dans mon nœud. Par exemple, nous t'es des Africains en otage. Nous tenons des chaînes si nous. Et nous pensons si yo te peut juste vous tirer les chaînes, tout bite te ke ok. Mais yo remplacé le chêne avec loi. Si Abraham Lincoln est soi-disant émancipé les Africains en otage, si il te dit ok, nous kay oublier les couleurs, tout le monde kay égal, tout le monde kay entendre yo. Kay te ke fait. Si tout le monde est qui mélangé ensemble. Dr. Martin Luther King pensait, si nous tous pouvons aimer l'autre, et ça formidable comme l'idée, mais si tout le monde aimait et amener cette love en activité sexuelle, d'un blanc t'es que disparaître. Mon nèg ka essayé un d'autres suprématie blanche et c'est pour détruire couleur à eux. Et Neil Fuller ka dit nous,
Racisme, suprématie blanc comme un système qui a fonctionné en économie, éducation, divertissement, travail, loi, politique, religion, sexe et guerre. Il tenait un temps les hommes nègres si ils étaient gardés en blanche. Yo te ke lynche yo, kaste yo, SEV, sa se histoire la. Parce que yo te concerné de la disparence à blanc. Ank Oudja Seneb, Ank c'est la vie, Oudja, prospérité, clairvoyance, Seneb c'est la santé. Moi c'est le frère Scrapicon Soudaya, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. And don't forget to like, share, comment and subscribe. N'oubliez pas de abonner, commenter, partager, laisser les j'aime. Tout ça, ça va m'aider avec l'algorithme de YouTube haché. Alors, il y a certain matériel dans la vidéo que je voulais expliquer juste rapidement. Juste un bonus information pour la famille, pour les frères et sœurs, Ra et Ren, pour les dieux et déesses. Cet homme-là, ça s'appelle Mark Twain et c'est après son nom qu'on a le nom de marxisme. Nous avons toujours besoin de Marx pour changer ce monde. Bon, là, il dit, je suis pas marxiste. Bon, mon logo de Béoka lui cache. Mais lui, il cache sa main. Et ça avait dit quoi, bon. Et là, on voit qu'il y a plusieurs personnalités connues dans le monde. Qui a le même geste de cacher ses mains. Dans l'autre photo, pourquoi que ça ressemble à une pyramide blanche lorsque le petit garçon cache ses mains? Joseph Stalin, Karl Marx, Pope Francis aussi, Dr. Fauci, tout ça c'est la main cachée maçonnique. The hidden hand lets the other initiates know that the individual depicted is part of the secret brotherhood and that his actions were inspired by the Masonic philosophy and beliefs. Furthermore, the hand that executes the actions is hidden behind cloth, which can symbolically refer to the covert nature of the Mason's actions. Cette main cachée maçonnique alerte à les autres initiés que cet individu fait partie de la fraternité maçonnique. Et action est inspirée par la philosophie et croyance maçonnique. De plus, la main qui a exécuté les actions en cachette derrière toile qui peut symboliquement référer à leur nature couverte ou bien en bas feuille, je ne peux pas dire. Et comme disait le grand frère Marcus Garvey, le monde et la terre entière même ayant dédié à l'Afrique, spécifiquement l'Égypte pour la civilisation, connaissance, philosophie et spiritualité, la fondation de toute religion. Et pourtant, voici comment ces gens-là, ça nous récompense. Souvent, c'est quand la pensée, parole et les actions sont honteuses que les gens se cachent. Et c'est seulement les lâches qui se cachent. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bon et positif, on a besoin d'exposer, de révéler, de faire aux autres bénéficier de cette bonne chose noble et digne.